Meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur entraîneur de Division Honneur. Voici les récompenses décernées mardi soir par le service des sports de France Antilles aux footballeurs qui ont marqué de leur empreinte cette saison 2011-2012. Une cérémonie officielle de remise des prix qui intervient après un vote des internautes où chacun a pu établir son équipe type de DH sur le site internet du quotidien. C'est déjà une belle récompense d'être le meilleur joueur du championnat et déjà aussi une récompense collective d'être meilleur joueur du championnat. Donc ça fait deuxième avec mon équipe et le meilleur joueur. Donc c'est une belle récompense pour la saison, je pense. Je pense qu'il y a deux matchs qui m'ont retenu. C'est le match du CSM au Moule, 2-0 qu'on gagne. Et le match de l'Étoile à Monaro. J'ai arrêté de pénalty. C'est une satisfaction, oui, une récompense de la saison effectuée. Bien entendu, j'accepte avec plaisir. Le vote a été fait par tous les entraîneurs de DH et les capitaines. Donc justement, à qui je remercie pour cette reconnaissance. Pour le service des sports du quotidien, cette cérémonie de remise des prix constitue l'aboutissement d'une saison intégralement passée au crible, avec pas moins de 182 matchs de DH à décortiquer pour noter les joueurs. C'est tout au long de la saison qu'on a réussi à, on va dire, à accumuler et à noter les joueurs. Et à un moment donné, on s'est attelé à essayer de ressortir poste par poste les meilleurs joueurs de la saison en DH. Défensivement ou offensivement, c'est des joueurs qui sont quasiment tous sélectionnés en équipe de la Guadeloupe, donc ça veut quand même dire quelque chose. Stevie Angoulevent, Michel Lafortune et Marc Arbeau de la JSS complètent cette équipe type version 2011-2012 en compagnie de Jean-Luc Lambourde de l'Amicale, Alain Vertot de l'Étoile, Laurent Michet de l'Evolucas, Ludovic Malaki du Sirocco, Audrey Pommier de la JSVH et Dimitri Fautré du Phare. Une équipe type de nature à faire saliver plus d'un entraîneur à l'aube de la saison 2012-2013.